Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Houry Diallo. Des échauffrés donc sur l'axe hier, un cas de mort au soir de cette journée d'hier. Nous avons le frère du défunt en direct, monsieur Diallo. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Houry. Bienvenue dans cette émission, Tali Bebari, pour commencer. Monsieur Alpha Issiaga Diallo, tout d'abord, toutes nos condoléances suite au décès de votre jeune frère. Vous nous disiez que vous étiez à l'hôpital Yassidine avec le corps de votre frère. Expliquez-nous dans quelles circonstances il a trouvé la mort. Comment est-ce que il est décédé hier? Oui, avant tout d'abord, je vous dis bonjour à vos millions d'auditeurs. En fait, je ne peux pas vous confirmer ou bien infirmer la circonstance dont mon jeune frère a trouvé la mort. Parce que lui et moi, on ne réside pas dans le même endroit. Moi, je réside à Afia, lui, il réside à Prince, là-bas, au bord de la route. C'est à partir de 21h, qu'on m'a appelé ici, que si j'ai un jeune frère qui s'appelle Tcherno Mamadou Diallo. Je l'ai confirmé, oui, j'ai un jeune frère qui s'appelle Tcherno Mamadou Diallo. On m'a dit qu'il a été faussé. Je dis, quoi, il a été faussé par quoi? Il a fait un accident ou quoi? Ils m'ont dit non, il a été faussé par balle, il y a des manifestations, donc il a été touché, donc il faut venir. Du coup, je voulais me rendre dans ce lieu. J'ai tenté plusieurs fois, ça tirait partout, je n'ai pas pu atteindre le lieu. J'ai tout fait avec mes amis. J'étais sur des motos, mais on n'a pas pu accéder sur le lieu. J'ai décidé de se rendre à l'hôpital au niveau du centre de santé du Ratoma. Là-bas, je l'ai supplié, je l'ai demandé une ambulance, on m'a dit qu'ils ne peuvent pas intervenir, et du coup, leur véhicule sera endommagé. Ils ont décidé de me donner le numéro du Croix-Rouge. Ils m'ont donné le numéro du Croix-Rouge, je l'ai rappelé, ils m'ont dit qu'ils n'interviennent pas la nuit. Leur travail, c'est jusqu'à 18h. Donc, je n'avais pas une autre solution. J'ai retenté encore pour rejoindre le lien, mais je n'ai pas pu. C'est comme ça que j'ai appris le décès de mon jeune frère. Et finalement, quelles sont les explications qu'on vous a données? Certainement, il y a eu des témoins, Qui ont dans vu le que quartier. La scène. Est-ce qu'on vous a donné des explications par rapport à ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas pu avoir beaucoup de témoins parce qu'il y avait personne, seulement des militaires, des policiers sur la route, donc ça tirait partout, j'ai pas pu avoir un témoin. C'est le matin, c'est à partir de 0h, j'ai un beau frère, lui aussi il réside à Bambeto, il voulait lui aussi se rendre là-bas, mais lui aussi il était empêché, mais c'est à partir de 22h qu'ils ont pu. Arrivé là où se trouve le corps. Donc, comme ça, ils ont décidé de prendre le corps à la vue et à la suite des policiers qui étaient là-bas. Ils ont pris le corps d'après eux. Ils ont pris le corps, ils ont amené le corps à l'hôpital chino-guinéen. On les a dit qu'il n'y a pas de place là-bas. Donc, ils n'avaient pas d'autre solution parce que la route de Prince n'avait pas d'accès. Ils ont décidé d'amener le corps à Bambeto, là où réside mon beau-frère. Dans la morgue de l'ancienne du mosquée. Le matin bonheur, là, comme je connais les conditions dans lesquelles il a été, en fait, il a trouvé la mort, j'ai décidé de lui amener à l'hôpital Ignatine, à la morgue de l'hôpital Ignatine. Comme ça, je suis sur les procédures. Alors, est-ce que le médecin légiste est venu voir le corps? Est-ce qu'il y a un constat qui est en train d'être fait avant qu'on ne vous donne le corps? Il n'y a pas eu un constat d'abord. Le médecin qu'on a trouvé, il nous dit qu'il faut qu'on porte plainte d'abord. Après avoir porté la plainte, donc ils vont nous donner, je ne sais pas si c'est une papier de réquisition ou pas, c'est à travers ça qu'ils vont suivre le corps. Bien. Oui, Est-ce que sur les lieux, il y avait des pick-up sécuritaires, c'est-à-dire les pick-up de la police, de la gendarmerie? Hier nuit. Oui, là où il, j'ai pas pu arriver là où il était couché, mais à la route vers le carrefour de Concasser,
Il avait les pick-up de... Non, j'ai pas pu identifier. J'ai pas pu, je peux pas vous dire. Comme ça, comme j'étais sous une pression, j'ai pas pu quand même l'identifier. Si, alors, selon vos informations, votre jeune frère, il a été tué à la maison, dans la rue. En tout cas, quel est l'endroit précis où il a été touché par cette balle? D'après les informations, c'est dans une salle de coiffure qu'on l'a tué par la fenêtre même. Il était à l'intérieur de cette salle. Il était dans un salon de coiffure. Il était dans un salon de coiffure, donc la balle l'a touché à travers une fenêtre. À travers la fenêtre, oui, à travers la fenêtre. Les balles même ont sauté, touché le mur. Bien. D'accord. On l'a tiré sur la tête. D'accord. D'après les informations, je ne peux pas confirmer. Donc il n'était pas dans la rue en train de manifester, il était dans un salon de coiffure. C'est là que la balle l'a touché. D'après ce qu'on m'a dit, oui. D'accord. Voilà, donc le témoignage... triste. Oui, Mohamed Kaba. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que vous avez reçu un appel des autorités actuelles? Est-ce que le gouvernement vous a contacté? La mairie. La mairie, les organisations de défense des droits de l'homme? Non, seulement la presse. Vous, il y a une autre site qui m'a contacté. Donc vous êtes seul? Donc, vous êtes seul à l'hôpital Ignace Dine avec le corps de votre jeune frère? Oui, le corps est poussé comme ça. Il y a... Vraiment, c'est dommage. Je suis abattu. Nos condoléances. Encore nos sincères condoléances, Monsieur Diallo, et nous vous reviendrons plus tard pour savoir en fait la suite de votre situation avec le corps de votre frère. À très bientôt et une fois encore nos sincères condoléances. On reste là-dessus sans transition. Oui, Mamadou Diambaldé, vous venez de suivre ce témoignage glacial du frère de ce jeune tué hier. Oui, c'est très hallucinant et que quelqu'un qui a été un jeune élève candidat au brevet qui a été tué hier et qu'on en soit, il est maintenant 9 heures, que le parquet ne se soit pas bougé, puisque la scène de crime est identifiable. Oui. On parle d'un salon de coiffure, c'est là-bas qu'il a été abattu. Il faut aller faire le constat. Ils sont là pour ça, pour le peuple de Guinée. Mais malheureusement, c'est ce que je vous dis toujours, la Guinée, c'est un pays où, après le départ du colon, c'est le colon indigène qui est venu régner sur le Guinéen. Donc on est dans ça. Parce que moi, je me suis dit que la page des dingues de la gâchette était tournée. Mais voilà qu'on en est encore là. Et ce crime vient encore relancer... ce sempiternel serpent de mer sur la réforme des forces de sécurité de la Guinée. Parce que on parle d'armes létales utilisées lors des interventions. C'est très grave. C'est pas des armes conventionnelles, ça. Bien. Aller abattre un jeune élève dans la rue. Mais ils pouvaient user des tirs de sommation pour disperser les gens s'il y a manifestation. Et on n'entend personne, le ministre de la Sécurité. Et selon ce qui a été donc rapporté au frère du jeune tué, c'est qu'il était dans un salon de coiffure. Donc, même s'il était dans la rue. Et que le bal, justement. Même si c'était la rue. Non. Même si c'était un manifestant. Non, en fait, il faut préciser. Nous le savons. Voilà, ça n'a rien à voir avec nier les faits ou tout. Il dit, en fait, ce qu'on lui rapporte, c'est que le jeune était tranquillement dans un salon de coiffure. C'est aussi pour dire peut-être qu'il n'était même pas. Sur la scène de manif. Oui, mais la plupart de ceux c'est qui sont... l'explication qu'il la faut plupart trouver. Des victimes même du régime d'Alpha Condé, parfois ce n'étaient pas des manifestants. Une fois, il y a même une fille qui avait du pain en main qu'on a abattu comme... Il y a des nourrices, comme des bébés qui ont reçu des balles. Donc il faut... Je crois que la Guinée... On n'est pas sorti de l'auberge. Hein, bien. Parce qu'avec ces gens qui ont... Comment dirais-je, des armes qui règnent en maître, mais je vois mal un pouvoir civil vraiment, comment dirais-je, trouver ses marques dans ces merdiers. Talibé. Malheureusement, c'est le premier cas de décès qui intervient sous l'ère CNRD. Et moi, je me rappelle, on avait ici le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, qui nous disait
que en ce qui concerne les manifestations, le maintien d'ordre, que son credo, c'est zéro mort. Zéro mort et même zéro blessé lors de l'intervention des forces de sécurité. Donc, il a suffi la journée mouvementée d'hier pour que déjà le décompte macabre commence. Donc ce jeune qui, dans une semaine en principe, ou peut-être dans une semaine, aurait dû passer son, son examen de BEPC et qui, selon les informations données par son, son grand frère et que d'autres sites avaient déjà rapporté, le jeune a été touché dans un salon de coiffure. La balle est passée par la fenêtre pour donc lui péter la cervelle. C'est un crime odieux, ce n'est pas acceptable, et parce que le CNRD, à travers le colonel, nous avait promis qu'on ne répéterait pas les erreurs du passé, et parmi les erreurs du passé, et donc les crimes du passé, il y a justement ces morts que l'on enregistre dans des circonstances où on aurait pu éviter, parce que ça veut dire qu'il y a des armes à feu qui ont été utilisées et que probablement les agents de sécurité, pour ne pas dire forcément, détenaient des armes qu'ils utilisaient lors de cette intervention. Et vous voyez ce qui est grave, Ouri, c'est que pour le premier cas de décès sous l'ère CNRD, un décès intervenu dont l'opinion a été informée vers les 21h, il n'y a eu aucune communication officielle. Et juste vous imaginez, on a été obligé de déposer le corps dans la famille, je crois, du beau-frère du jeune. En tout cas, ensuite, à la morgue de la mosquée de Bambeto. Et jusqu'à ce matin, il n'y avait aucune autorité. Pas la police, pas la justice, personne. Donc, ils étaient obligés, les membres de la famille, de prendre le corps pour le déposer à l'hôpital Yassedine. Quelle indifférence, quelle cruauté, quel est cet état, et quel est justement... quelles sont ces nouvelles autorités qui nous promettent une rupture avec les pratiques du passé, qui nous promettent une refondation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que le colonel, en tout cas, reprenne la situation en main. Parce qu'on a l'impression que les choses sont en train de lui échapper. Il est bunkérisé au palais Mohamed V. On prend des décisions unilatérales. On annonce comme ça, sans tenir compte même de la situation du contexte, on annonce une augmentation du prix du carburant et patatras, et après on envoie les forces de sécurité encore réprimées. On n'a pas besoin de ça, la Guinée n'a pas besoin de ce retour grave et gravissime en arrière dans des pratiques prohibées qui ont traumatisé les Guinéens pendant plus de 10 ans et c'est absolument regrettable. C'est depuis 58, puis, pour ne pas dire avant les indépendances. Ibrahim Alain Consouma, oui. Je ne souhaite pas qu'il y ait un carré Mamadi Doumbouya dans des cimetières à Conakry, comme ça a été le cas sous Alpha Condé, comme Mamadi Doumbouya lui-même est allé, en tout cas, voir. Mais aujourd'hui, je me pose assez de questions. Pourquoi avoir fait le coup d'État contre Alpha Condé si les pratiques sous Alpha sont de retour? Mais comme le dit l'autre, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des personnes nouvelles, sont des hommes neufs. N'ont-ils pas accompagné le régime Alpha? Est-ce qu'il est étonnant qu'on puisse maintenant avoir ce qui est en train de se passer? Ce qui m'écœure, où est le procureur de Dixine? Depuis hier. Mais où sont les autorités de ce pays? Où est le président? Où est le gouvernement? Depuis 21h, une personne est morte. C'est annoncé. Où est la mairie de... Où est la mairie de Ratoma? Tant et tant de questions. Tant de questions. Ouais. Alors, si à 8 mois de la transition, on commence à faire des comptes macabres, c'est pas un souhait, c'est pas un malheur que je souhaite aussi, mais en 3 ans de transition, que va-t-il se passer? Bien. Est-ce que hier, c'est les manifestants de l'opposition qui étaient armés, qui sont sortis? Puisque... les arguments de nos dirigeants, les anciens, peut-être ceux d'aujourd'hui, c'est toujours dire que ceux qui manifestent ont des armes. Ce jeune homme était-il dans la rue? Pourquoi il n'y a pas de communication du gouvernement? Pourquoi il n'y a pas de compassion du gouvernement? Mais ce n'est pas étonnant puisque l'ancien régime
avaient le même mode opératoire. Les gens mouraient dans ce pays et on faisait semblant, on n'avait aucune quand même compassion pour les morts. Alors, c'est un jeune qui meurt aujourd'hui. Je ne souhaite pas qu'il y ait des manifs. Que va-t-il se passer? Et pourquoi toujours les forces de l'ordre ont des armes dans les manifestations? Et le ministre Bachir va s'expliquer. Pour l'instant, on a du mal. Dit en passant, ce décès intervient quelques heures après la réitération de l'interdiction de toute manifestation. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est dramatique. On apprend, selon des informations, que le colonel envisage s'adresser aux Guinéens dans les heures qui suivent. On attend bien cette adresse. Ainsi soit-il. Parce que l'heure est grave. Bien. Les Guinéens ne méritent pas. Oui, bien. Sauf que c'est pas étonnant, puisque quand on suit les interventions musclées du colonel Sadiba, on se dit que le lendemain pourrait en tout cas être pire. On ne le souhaite pas. Sadiba n'intervient pas. Non, quand j'ai dit Sadiba parle au nom du CNRD. Oui, mais Akumba. Non, Akumba. Il ne faut pas personnaliser. Sadiba Akumba ne parle pas à son nom. Akumba, peu importe. Aujourd'hui, moi, je parle de Sadiba qui passe les communiqués au nom du CNRD. Il les signe. Oui, mais signe. Au nom du CNRD. Mais c'est pas lui. C'est pas son propre. Au nom du chef d'état-major de l'armée. Je comprends. C'est même pas le CNRD. Bien. Je sais ce que je dis. Oui, alors, le président parlons du CNRD, laissez Sadiba. Mais Sadiba, le CNRD, c'est le porte-parole. Sadiba, aujourd'hui, le CNRD. Akumba, on va le laisser terminer tranquillement. Le CNRD, c'est qui? Oui. Vous connaissez les membres du CNRD? On connaît quelques-uns. Moi, je connais le colonel Doumbouya. Bien. Sadiba qui signe les communiqués. Merci. Donc, si aujourd'hui, un porte-parole du CNRD, c'est Sadiba qui signe les communiqués. Moi, je ne vais pas de gauche ni à droite pour dire cela. Le colonel doit intervenir. Bien. Sinon, ce qui se passe là, vraiment, c'est pas bien pour ce Mohamed pays. Kaba. Non, écoutez, la première action humanitaire que doit faire le colonel, c'est de se rendre d'abord à la famille mortuaire ou dépêcher rapidement une délégation. Ils n'ont qu'à s'occuper du corps à Niastine. Le corps est abandonné à Niastine. Oui, j'ai mal. Aller s'enquérir de la réalité. Oui. Parce que c'est tellement pathétique, c'est un témoignage glaçant de son grand frère. Moi, je me rappelle de la prise du pouvoir du ministre Bachir, de sa prise de fonction. Il a dit qu'il mettra fin aux répressions barbares des policiers. Malheureusement... Et il a parlé d'une police répressive. Répressive. Pendant 11 ans. Et malheureusement, c'est le même scénario qui... Bon, on ne dit pas que c'est un policier qui a tiré. Qui a tiré ou un gendarme. Mais il s'agit de l'intervention du maintien d'ordre de façon générale. Le sang continue de couler encore en Guinée pendant cette transition. On ne le souhaite vivement pas. Et on veut que ça soit vraiment le dernier mort. Et ce qui est écœurant, il faudrait qu'on arrête désormais d'étiqueter l'axe. Ça me choque. Parce que ce n'est pas un militant de l'UFDG qui est tombé hier. Ce n'est pas un militant du FNDC qui est sorti hier. On dira encore, parce que je ne veux pas qu'on nous dise « Non, c'est un militant de l'UFDG, c'est un militant de l'UFDG. » Non, c'est un pauvre citoyen qui a trouvé la mort dans un salon de coiffure qui était prêt à affronter les examens du BPC. Mmh. Bon sang de Dieu, que voulons-nous désormais pour la Guinée? Bien. Vous savez, Ouri, soyons un peu réalistes dans ce pays. Sortons un peu de certains cocons qui ne sont pas sincères. Bien. C'est l'axe qui perd le lourd tribut aujourd'hui. Bien. Depuis longtemps. Est-ce que ça va continuer encore? Faudrait que désormais qu'on se dise la vérité en Guinée, qu'on se dise des choses en face. C'est la grosse question. C'est la grosse question qu'on peut. On ne peut pas continuer à avoir des morts régulièrement chaque fois sur l'axe. Quand on dit mort, on dit l'axe. Quand on dit mort sur l'axe. Bien. Et quand. Oui. Il faut qu'on y réfléchisse. J'ai peur pour ce pays désormais. Il faut qu'on y réfléchisse. Non, j'ai peur pour ce pays. Parce que si on essaie de politiser, de faire une récupération politique avec ce cas de mort, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Bien. Alors, c'est très dommage et c'est choquant. Peut-être la première déclaration est celle du FNDC qui parle, qui accuse les forces de défense et de sécurité de déployer pour le maintien d'ordre, d'avoir utilisé des armes de guerre contre leur propre population, causant ainsi la mort d'un jeune manifestant. Et le FNDC parle d'un assassinat odieux d'un citoyen qui exprime pacifiquement son mécontentement à l'endroit des autorités. Encore que, on nous apprend que ce jeune était dans un salon de coiffure. Akumba Diallo. La violence en Guinée est d'origine philosophique. Toutes les administrations guinéennes ont été violentes à l'égard du citoyen guinéen. Soigner ça en un clic serait vraiment avoir une baguette magique extraordinaire. Alors, le colonel Mamadi se retrouve face à une situation composée d'acteurs qui ne sont autres que des croque-morts. Vous connaissez le comportement du croque-mort.
le cadavre est plus... il est plus long que là où on veut le placer, on casse un peu pour que ça s'ajuste. Alors, qu'est-ce que je vais dire à travers cette image un peu boiteuse? C'est que ceux qui ont tué continuent à tuer. Puisqu'on ne les recherche pas, on ne les traque pas, on ne les juge pas, on ne les condamne pas. Ceux qui ont tué sous Sékou Touré ont conseillé ceux qui ont tué sous l'Ansana Conté. Et ceux qui ont tué sous l'Ansana Conté ont été les maîtres d'œuvre sous Alpha Condé. Et ceux qui ont tué sous Alpha Condé continuent à être les maîtres d'œuvre de l'administration de Mamadi Doumbouya. Bien. Voilà pourquoi on continue à tuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire puisque nous sommes dans une transition? Et là, je me rappelle d'un cours que donne M. Issaka Soaré, que vous avez reçu plusieurs fois ici, qui s'appelle « Leadership et prise de décision ». Et dans d'autres universités, on l'appelle « prudence ». Moi, j'aimerais bien m'apesantir sur le mot « prudence » et appeler la gente à être prudente. La prudence a deux significations. Il y a une qui est assez galvaudée, qui semble être assez légère, simple, simpliste, c'est la circonspection. Avant de prendre une action, essayez d'être prudent vis-à-vis des effets que cette action devrait produire. Si vous n'êtes pas prudent, vous ne méritez pas d'être un dirigeant. Ensuite, l'autre volet et qui est le plus complexe de cette prudence sur laquelle je vais certainement galvauder les significations et les concepts, c'est si vous voulez, cette prudence, vous devez vous éloigner de la témérité. Mais il y a souvent des membres de l'administration guinéenne qui aiment qu'on dise qu'ils sont téméraires. J'ai assisté à une cérémonie une fois où un jeune homme disait à des vieillards, taisez-vous, fermez-vous. Vous voyez, est-ce que cela relève de notre éducation? Est-ce que cela relève même de l'éducation occidentale que nous avons reçue à l'école? Je ne pense pas. Je pense que il faut qu'on ait, si vous voulez, un savoir-faire pratique qui nous permet d'être mesurés les conséquences de toutes les actions que nous souhaitons poser. Mamadi, ceux qui ont trompé Alpha Condé continueront à te tromper parce que tu n'as pas été prudent. Tu n'as pas été prudent, tu t'es entouré de gens qui ont une philosophie dont ceux-là ne partagent pas. La justice boussole, ils ont décidé de te tromper. Bien. Respect de la charte, ils ont décidé de te tromper. Zéro mort pendant les manifestations, ils ont décidé de te tromper. À toi de prendre la responsabilité. Voici ton premier cadeau. Malheureusement, la réalité contraste avec les engagements des premières heures de la prise du pouvoir de CNRD. Zéro mort lors des manifestations, respect des libertés publiques et tout le reste. Malheureusement, il y a ce cas de mort. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'ils vont justement regarder ce corps, faire le constat et chercher à savoir d'où est parti le tir, qui est derrière tout ça? C'est ce qu'on attend désormais. Et est-ce que justement le président va parler comme ils l'ont dit? Oui, c'est Big Up Kaba du Pades qui nous envoie un message. Et ça, c'est à confirmer. Vous savez qu'hier, un jeune a été poignardé, dit-on, par des manifestants à Bomboli. Donc, dans la journée d'hier, on apprend, en tout cas selon ce que nous rapporte Big Up du Pades, que ce jeune dont le pronostic vital était engagé, aurait rendu lui aussi l'âme. Mais ça, donc, ça reste à vérifier. On a notre confrère Kandia qui est sur le terrain, qui nous a écrit ce matin. Ce jeune homme a été poignardé, mais ce matin, heureusement, il n'est pas mort. Donc, c'est un jeune... Poignardé par qui? Oui, par des voisins. Selon ce que notre confrère Kandia a rapporté, ce jeune se serait opposé à ce que d'autres jeunes en face de leur domicile manifestent. Un lieu de manifestation. Donc, ceux-ci n'étaient pas contents, on l'a poignardé. Mais ce matin, Kandia me dit qu'il est sur le terrain, que le jeune n'est pas décédé. Mais ça mérite aussi une enquête. Effectivement. De part et d'autre, c'est là-dessus que je vais conclure. De part et d'autre, on attend les autorités qu'on sache d'où est partie cette balle qui a tué Thierno Mamadou Diallo hier. Mais de l'autre côté, pourquoi ceux qui ont poignardé cet autre jeune hier à Bomboli l'ont fait, puisqu'ils s'opposaient aussi à ce qui est des manifs autour de leur domicile, selon ce qui nous est dit? Voilà, c'est sur ces deux pans de la journée d'hier qu'on attend nos autorités. Et pendant ce temps, on va passer justement à notre invité du jour.